Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Cities Skylines. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre chère énorme ville, hein. On est quand même à 115 000 habitants, c'est plutôt pas mal. On va continuer ce qu'on avait décidé de faire, c'est au lieu d'avoir pas une zone industrielle mais une zone campus, on va mettre notre zone campus plutôt par ici. Je crois que c'est une zone qui sera vraiment intéressante, qui pourra toucher beaucoup de monde. Et voilà, on va pouvoir s'amuser clairement. On va supprimer ce que j'avais fait, hein, le petit tyran là que j'avais tiré. Ça ne me servira à rien. Je vais voir une faire un truc. Si. Ça touche aussi, hein. Donc je suis en zone campus, mais je peux quand même supprimer les autres types de zones. Super. Ici, il va falloir qu'on mette. Voilà, le niveau d'étudiants, vous voyez, on n'a pas assez de. On n'a pas assez de capacité, donc il faut qu'on augmente absolument notre capacité. Pour ça, je crois qu'on va se faire un axe principal. Ici. Voilà, un truc assez droit. On va laisser ça. On va un peu voir ici parce que je vois que c'est quand même une zone parc qu'on pourrait peut-être faire un petit parc ici autour. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympa. Génial. Alors. On est sur des bâtiments de d'université arts libéraux, donc on va en placer beaucoup. On va se faire vraiment une petite armée de zones, histoire d'être vraiment en mode on est prêt. On est prêt à avoir plein d'études. Alors je vois ici qu'on a un autre souci, c'est ah oui, on a plus assez d'électricité. Ça c'est bon. Alors, ça, ben, c'est parfait, je vais pouvoir placer ici le tout. On va quand même essayer de les coller plus ou moins. Voilà. Deux et trois. Voilà. On va voir ce qu'on va faire ici. Je vois qu'on peut ajouter pas mal de petites choses qui sont déjà en partie ajoutées, hein. Ici, on a des dortoirs principalement. On a que des dortoirs. Club de théâtre, conciergerie. Et c'est tout. Ok. C'est embêtant ça. On peut mettre une petite salle d'études, hein. Rien de tout dit. Il n'aime pas étudier. Le théâtre, ça on l'avait du coup. Le jardin, bah du coup on va connecter ça. On va voir, est-ce que je peux reprendre cette route? Non. Quel genre de route? C'est une route normale. Peut-être ça, non plus. Écoutez, je trouverais bien. Je vais laisser ça pour le moment. Ok, et du coup, on va se mettre ben, notre petit parc ici. Voilà. Gymnase et cafétéria. J'ai pas l'impression qu'on a ça non plus, hein. Alors, vous voyez, ici on a mis deux universités et ça c'est très idiot de ma part parce qu'en fait ben, c'est ceux qui pourraient aller là quoi. Ça dégage. On va se mettre en gymnase ici. Une petite cafétéria qu'on va coller là. Alors je sais, c'est un peu moche, on va sûrement remplir au fur et à mesure. Mais... Étudiants... Les conditions pour rester au niveau de réputation actuelle ne sont pas réunies. Ok, donc...
Normalement, ça devrait augmenter assez fortement. Je l'espère, en tout cas. En plus, j'ai mis gratuit. Ah ouais. Voilà. Alors, ici, on a un petit problème de... qui sont désormais réglés. On a ici des demandes au niveau collège. Ah, j'ai mis des instituts d'art. J'ai supprimé les instituts des arts créatifs, en fait, je suis con. Je crois que c'était des universités, mais non. Par contre, c'est vrai que là, on n'en a pas. Et donc, ça, on va peut-être rajouter par ici. Est-ce qu'il y a du monde qui passe par là? Ben, on a déjà des collègues, c'est cool. Ah, ça se passe plutôt bien. On a beaucoup de monde quand même qui passe là. Beaucoup de monde marche. Ici, ça commence un peu à galérer. Je peux comprendre. J'ai presque envie d'agrandir maintenant cette zone, cette ligne jusqu'ici. Les travailleurs puissent facilement venir bosser. Je crois qu'on va faire ça. Je crois qu'on va mettre ça peut-être ici ou quoi. Ah, ou alors je mettrais bien ça genre. Écoutez. Monorail. Ah, et ça du coup on ferait genre ça. Et là c'est une question de... voilà. C'est juste ça. Et alors, il faudrait que on tire genre ici. Ah. Bon. On est bon. Donc ce que je vais faire, c'est je vais prendre ici, on va tirer jusque là. Là, on est bon. Faut juste que... j'ajoute l'arrêt. Alors, on le voit pas, l'arrêt, donc ça m'embête un peu, mais... ça devrait être bon. Normalement, ça devrait être bon. On va pas trop cracher, ça devrait aller. Donc on va laisser faire pour le moment. Est-ce que niveau, alors on a pas trop de problèmes. Alors on a surtout des abandons, donc je crois que c'est pour ça que niveau tourisme, ça ne se plaint plus. On a beaucoup de monde sur les rails quand même. Beaucoup, beaucoup de monde. Ligne 7, bah il y a personne qui attend. Quelques citoyens, mais... ah, c'est le métro, ok. Ok, il y en a beaucoup qui attendent là, en fait. Ouais. Je
je peux encore augmenter. Encore augmenter la capacité. Et éviter peut-être la distance des véhicules. Histoire de... Allez. Histoire d'en ajouter un peu plus et d'avoir un meilleur roulement. On verra. Ici, bah, c'est toujours un peu galère. Du coup, ça demande toujours beaucoup de monde. Et j'ai l'impression que... On a besoin de plus de métro, hein, de monorail, hein, non? En soi, non. On va éviter aussi la distance. On va, dès qu'ils peuvent être remplis, on va le faire. 118, ouais. C'est vrai que si on peut augmenter un tout petit peu, genre à 7, ce serait parfait. Alors, on est toujours sur un problème de... Vague de tsunami détectée. Ok, mais... Ça ne me dit pas où, quoi, comme d'hab. D'accord. Génial. Ici, on va essayer de remplir, faire vivre un peu cette zone qui est très très vide. On a beaucoup de poissons, peut-être trop, qui n'est pas encore transformé. On pourrait peut-être... Ça, on va mettre 2. Et à côté, faire des routes plus industrielles, du coup, pour... Et remplir un peu la zone. Zone industrielle. On va voir ce qu'on va mettre là. Est-ce que niveau poisson, je crois qu'on peut faire beaucoup plus de choses, non? Par exemple, des fermes de varan, je vois ici. J'en mettrais bien ici quelques-unes. Les fermes de varan, c'est ce qu'on peut... ce qui nous rapporterait le plus en plus. On pourrait aussi mettre là, mais ce serait peut-être un peu... Ouais, c'est ça, ça. Ok, on va déjà faire ça. On va connecter... Ou ici. Pour le moment. Je vais pas remettre tout à la même hauteur pour le moment, on va laisser. Et on va surtout essayer de choper plus d'eau, parce que on a des problèmes d'eau. Où est-ce qu'on pourrait faire ça? On va mettre ça sous... Ouais. Parfait. Hop. Besoin d'électricité? Ouais, ok. C'est plus chiant. Parfait. Alors, on a une vague de tsunami donc qui devrait arriver apparemment. Ah, ici. Je vais vous envoyer. Non, hein. Ok, c'est juste un bug, je crois. Bon, c'est comme ça. Là, on mettra bientôt. Est-ce qu'il y a un truc spécial à... Ah ouais, c'est stylé en fait, ce qu'il y a autour. C'est sympa, sympa, sympa. Est-ce que c'est une zone qui attire du monde au niveau touristique? Ça, on sait pas. Pas encore. Je fais ça et elle est débloquée. Hein. Ouais, c'est une zone pas mal, mais pas plus que ça. Un peu ici. Super, super, super. Alors, on a de nouveau des énormes demandes. C'est reparti. C'est reparti. On a beaucoup de monde. En fait, on a beaucoup de monde qui passe là. Hein. Bah ouais. À pied. Ce serait intéressant de connecter ici, peut-être vers là quelque part, non? Pour avoir cette route-ci. Partir vers là.
passerai ici au-dessus. Peu peur parce que c'est. Et oui, on se connecterait genre là quoi. Ça, je vais juste tirer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'aimerais peut-être créer ben, un autre possible accès. Alors, si c'est ça le tsunami, ça va. C'est vrai qu'on est fort bas là. On est quand même sur une zone qui a ses limites. Et attendez, je crois que j'ai mis cette route en collision. Ce serait ça le problème? On va laisser ça, par contre je veux quand même que ce soit à une hauteur acceptable, donc on va peut-être... On va tout sélectionner malheureusement. Et on va dire je veux que ce soit à la hauteur de... Et du coup on va aussi dire ben... Les bâtiments autour. Ça devrait peut-être aller un peu mieux grâce à ça. Et puis on verra. Hein. Ah, c'est bon, c'est passé. On a perdu en tout 10 habitants. Répercussions de tsunami, tsunami, tsunami. Alors par contre, j'ai quand même envie d'enlever ça. Parce que bah, ça fait partie du jeu. Hein. Fait clairement partie du jeu. Ici, on a quand même quelques morts. On pourrait ajouter une crématorium. Ici. On mettrait bien un là et un deuxième ici parce que c'est quand même une grande zone. Voilà. C'est super. Quelques morts. On a pas mal de morts. Ça sent la petite vague de mortalité là. Ok, beaucoup de demandes d'habitation ici. Est-ce qu'on a beaucoup de monde qui arrive à 200? On n'a pas beaucoup de travaux académiques. Comment ça se passe sur cette zone-ci? On a 613 habitants, 600, étudiants, 611 étudiants. Est-ce qu'on touche un peu tout le monde maintenant ou pas? Bah, alors. Est-ce qu'on touche ceux-là mais pas ceux... Ah si, on les touche quand même un peu, mais eux sont éduqués apparemment. Eux, pas du tout. Je ferai pas. Parfait. Ok, bah on a bien amélioré, regardez, on a de nouveau beaucoup, 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 beaucoup de demandes. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je vais, je crois, pour le prochain épisode, avoir réglé ce problème ici, parce que clairement, c'est un gros problème. Vous aurez du coup un épisode qui va régler tout ça. Alors, ce sera un épisode bonus, donc normalement, épisode d'après, ce sera réglé. Je dis bien normalement, parce que c'est seulement si j'ai le temps. Et je n'ai pas toujours le temps.
Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao!